Voilà, grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs pour suivre votre émission Grande Analyse, cette émission qui vous amène au cœur de l'actualité. Plusieurs sujets à débattre dans cette émission, mais nous allons plus nous focaliser. Le thème principal sera les élections de 2023. Les états-majors généraux des partis politiques se préparent pour affronter ces élections qui pointent à l'horizon. C'est déjà la date de la CENI est connue, c'est le 20 décembre 2023. Certaines personnes pensent, ou certains politiques pensent qu'avant d'aller aux élections, il faudrait qu'il y ait ce dialogue qui va baliser les chemins, parce que du côté de l'opposition, ils pensent que sans une CENI consensuelle, les élections seront biaisées, parce que, selon eux, déjà, le processus d'identification et d'enrôlement d'électeurs est entaché de beaucoup d'irrégularités. Mais certains, du côté du pouvoir ou du côté du régime, ils pensent que ce que disent les opposants est une fuite en avant. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai un homme politique avec qui nous allons débattre. Nous allons parler des élections et certaines questions d'actualité. Il s'appelle M. Popol Djamani, le président du parti politique Alliance de valeurs républicaines. C'est avec lui que nous allons parler des élections et nous aurons pratiquement une quarantaine de minutes pour débattre de tout le sujet qui est prévu pour cette émission. Bonjour, M. Popol. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce, merci. La santé de l'AVR. Ben, l'AVR se porte bien, mieux qu'hier. Vous luttez pour la révision constitutionnelle, mais avant tout, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, vous soutenez le chef de l'État. Nous soutenons les institutions de la République, particulièrement l'institution présidente de la République. Le samedi 29 avril, l'Union sacrée fera sa sortie officielle au stade de Martyrs. Est-ce que l'AVR sera de la partie? Non, l'AVR ne sera pas de la partie parce que nous pensons que nous sommes en état de guerre. Nous pensons que la République démocratique du Congo est en proie à la balkanisation. Et que cet événement particulier soit-il, ne permet pas de réunir les fils et les filles du pays autour de la grande question qui mine la République démocratique du Congo. Nous pensons que le président de la République devrait demander à ses souhaitaires, c'est-à-dire ici les membres de l'Union sacrée, de pouvoir sursoir à cet événement parce que qu'est-ce que nous présentons au monde? Nous disons au monde que nous sommes agressés, nous disons au monde que nous sommes attaqués, nous disons au monde que il y a le M23 qui occupe une grande partie de notre, du pays, ça veut dire au niveau de l'Est, et nous sommes ici en vouloir démontrer numériquement que le président Tshisekedi est accompagné. C'est que nous oublions que le président Tshisekedi a été élu par le Congolais. 45%, il a été élu et il représente la nation. La Constitution dit de lui qu'il est l'unité et le garant. Donc ici, nous n'avons plus besoin à démontrer la capacité numérique du président de la République. Ce qui est important de faire, c'est de trouver les nouvelles stratégies, les nouvelles réflexions pour qu'il y ait cohésion et unité nationale en cette période particulière. Il y a des choses qui se disent autour de l'organisation de cette manifestation. Moi, je l'appelle manifestation parce que vous venez de le dire. Est-ce que le président de la République a besoin de tout cela? Mais il y a des choses qui se disent, il semblerait, je suis dans les conditionnels, qu'il y a eu de cagnottes données aux partis politiques pour essayer de mobiliser et montrer à la face du monde que le président de la République est populaire. Est-ce normal? Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que cet événement, comme en 2018, vous imaginez, ou bien vous allez vous rappeler ici qu'en 2018, il y a eu le FCC, mais ce n'était pas au stade de Martyrs, c'était dans un autre stade. Et aujourd'hui, nous refaisons les mêmes choses. Ça veut dire que la classe politique actuelle n'a pas changé. La classe politique n'a pas pu lire les événements du passé et comment conjuguer pour améliorer les conditions de vie des populations. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a réellement besoin de cette sortie médiatique? Pour prouver numériquement quoi? Il est président de la République. Il a un bilan à présenter lorsqu'il va être devant le peuple. Et ça ne sert à rien de pouvoir mobiliser. Et nous mobilisons où? Simplement à Kinshasa. Alors que nous ne sommes pas le Congo. Kinshasa n'est pas le Congo. C'est ainsi que nous demandons aux leaders de l'Union sacrée de comprendre qu'est-ce qu'on veut réellement présenter à la face du monde. Est-ce que nous présentons un pays asphyxié par la guerre parce que nous manquons de stratégie, ou nous présentons un pays qui manque de cohésion et il faut numériquement prouver au chef de l'État que les Quinois sont derrière lui? Alors là, je me pose la question. Je soutiens l'institution présidente de la République, mais je ne veux pas que l'argent de la République puisse être dilapidé dans ce type de manifestation.
Voilà, c'était juste pour ouvrir l'émission. Le thème principal, c'est les élections de 2023. Nous en parlons tout à l'heure avec M. Popol Djamani. Les élections pointent à l'horizon, selon le calendrier de la CENI. C'est prévu pour le 20 décembre 2023. À l'heure actuelle, qu'est-ce que l'AVER a déjà fait pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon? Bon, l'AVER sur le terrain n'est fait encore rien parce que l'AVER estime que le 20 décembre 2023, il n'y aura pas d'élection. L'AVER estime qu'il faut qu'on aille dans un cadre de négociation pour pouvoir asseoir les conditions, le consensus politique pour qu'il y ait des élections apaisées, mais au soir de 2025. L'AVER, au soir de 2025, deux ans après. Deux ans après, parce que l'AVER estime que, ayant saisi les institutions politiques électives, il appartenait aux institutions politiques électives de constater que nous, en tant que parti politique, nous avons demandé préalablement qu'il y ait une révision constitutionnelle de certains articles. À ces jours, j'entends de oui dire dans les réseaux sociaux qu'il y aurait un projet sur le changement de la Constitution où on quitterait de mandat de 5 ans à 7 ans. Bon, ici, j'ai dit encore que c'est un leurre, j'ai dit que je parle sous conditionnel, que j'apprends au niveau des réseaux sociaux. Et aussi, nous avons une question très capitale qu'il faut que nous puissions faire part au public. Est-ce que les Congolais, est-ce que la classe politique, est-ce que les dirigeants actuels imaginent un seul instant que la Cour constitutionnelle peut tomber hors mandat si nous organisons les élections le 20 décembre 2023 ? Comment ? Expliquez-vous. Ben, je vais m'expliquer. Vous vous souviendrez que le 4 avril 2015, l'ancien président de la République, aujourd'hui sénateur à vie, Joseph Kabila, avait investi le juge de la Cour constitutionnelle. Nous sommes le 4 avril 2015 et au terme de la Constitution, l'article 158, la Cour constitutionnelle a un mandat de 9 ans. Et ce mandat est non renouvelable. Et donc, le 4 avril 2024, ok, ça sera la fin du mandat de la Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle, il faudrait dire que c'est une Cour qui a un statut particulier. Parce que les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas comme les autres juges. C'est-à-dire, ici, je vois les juges du Tripé ou du TGI ou encore de la Cour d'appel. Okay. Et donc, la Constitution ou la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle veut que, à l'article 6 et 7, veut que nous puissions organiser ou la Cour puisse être renouvelée un mois avant l'échéance. L'échéance qui est prévue le 4 avril 2024, un mois avant, ça veut dire le 4 mars 2024. Or, les élections sénatoriales devront être organisées le 20 février 2024. Ce qui voudrait que les trois juges qui seront issus du Parlement lors du Congrès ne seront pas présentés parce que le Sénat n'aura pas encore un bureau définitif. Définitif, effectivement. Et donc, ça poserait un problème parce que le changement des membres de la Cour constitutionnelle s'est fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, au plus tôt, c'est le 3 mars 2024 et au plus tard, c'est le 28 mars 2024. Ça, c'est au terme des dispositifs légaux. Et donc, ici, si nous organisons les élections sénatoriales, eh bien, la Cour constitutionnelle sera hors mandat. Restons dans votre logique. Et si cela arrivait, qu'est-ce que l'État congolais doit faire ou la République doit faire? Mais attendez, la Cour constitutionnelle, c'est le juge pénal du président de la République. La Cour constitutionnelle, c'est le juge qui rend des arrêts sur la conformité des lois de la République. À un moment où la Cour constitutionnelle se retrouve hors mandat, mais les actes qu'ils vont poser seront des actes illégaux, la Cour va être mise en inconstitutionnalité et ça va poser un problème. L'architecture, le bras séculier de l'État des droits, c'est la Cour constitutionnelle. Mais à un certain moment, la politique peut aussi primer sur le droit. Pour dire quoi? On va trouver quoi? Ici, il n'y a pas une disposition qui veut que le président de la République reste en fonction ou bien le président de la Cour constitutionnelle reste en fonction jusqu'à l'installation. Ou alors, non, il n'y en a pas. La Cour prévoit des mécanismes et elle est claire dans ses dispositions que 6 mois ou, excusez-moi, 1 mois avant l'expiration, nous sommes à l'article 6, si je m'abuse, ou 7 de la loi organique, ok, qui veut que on puisse changer le membre de la Cour avant l'expiration du délai. Et donc, si nous organisons le 20 février 2024 les élections sénatoriales, l'article 114, ok, veut que le 15e jour qu'on puisse installer le bureau provisoire du Sénat. Et donc, une fois qu'on installe le bureau provisoire du Sénat, celui qui est président du bureau provisoire devra installer des commissions.
Et cette commission, il faut qu'on puisse légiférer ou bien amender le règlement intérieur. Parce que vous savez que le règlement intérieur du Sénat comme de l'Assemblée nationale doit être déposé par le bureau provisoire au niveau de la Cour constitutionnelle. Et il faut attendre encore 15 jours au terme de l'article 112 de la Constitution pour que le règlement devienne conforme. Et donc, si nous sommes le 20 fin février 2024, élection sénatoriale, et qu'il faut attendre le 15e jour, nous tombons le 7 mars 2024. Nous sommes déjà hors délai. Et si nous attendons au plus tard le 28 mars, nous attendons 15 jours après, nous serons sous délai, hors délai. Donc il appartient maintenant au gouvernement, et nous avons saisi la CENI pour ça, nous avons saisi le bureau du Sénat, le bureau de l'Assemblée nationale, nous avons saisi le chef de l'État pour alerter les acteurs politiques, les dirigeants, en disant « Écoutez, si nous organisons les élections ou si nous continuons à garder les calendriers électoraux tels qu'ils se présentent, la Cour constitutionnelle sera hors mandat. » Je voudrais voir les éminents juristes, les éminents constitutionnalistes venir me contredire sur cette question. Vous ne craignez pas d'être contredit ? Je dis, j'aimerais voir, puisque moi je parle des textes. Je parle des textes, je parle de la loi organique, je parle de la Constitution. S'il y a un autre texte dont j'ignore, ok, et je vais m'appuyer sur le règlement intérieur. Donc, à vous entendre parler, le calendrier de la CENI pose déjà problème. Pose déjà problème. Parce que si on maintient le calendrier de la CENI tel qu'il a été publié courant 2022, je tiens à vous informer et je puis dire avec toute certitude que la Cour constitutionnelle sera hors mandat. Voilà. Et ici, je parle que des juges qui sont issus du Congrès. Du Congrès. Pas les juges qui viennent, qui sont désignés par le président de la République, encore moins de la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, ma question est la suivante. Comme vous craignez que la Cour constitutionnelle soit hors mandat, à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que vous avez parlé d'un dialogue qui peut nous amener à, logiquement, à une transition de 2 ans. Mais dans ces 2 ans-là, qu'est-ce qui sera fait? Parce que, logiquement parlant, même si on allait à 2 ans de transition, le mandat de la Cour va toujours tomber caduque. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? En fait, c'est ça ma préoccupation. Mais non, écoutez, en 2011, le Sénat n'était pas renouvelé. En 2011, nous avons eu le Sénat qui n'était pas renouvelé. Lorsqu'on installe la Cour, nous avons eu une Assemblée nationale renouvelée et un Sénat non renouvelé. Non renouvelé. Donc, aujourd'hui, on peut avoir un Sénat non renouvelé et les juges de la Cour constitutionnelle ne poseront pas de problème parce que c'est une autre institution. Même si elle émane d'une structure qui n'est pas renouvelée parce que nous avons déjà une jurisprudence quant à ce. En ce qui concerne la position de l'AVER par rapport au dialogue, non, nous parlons du dialogue sur base de quoi? Nous sommes en proie à la balkanisation. Pour nous, le dialogue veut que les acteurs politiques, nous puissions nous regarder en face. Nous l'avons fait en 60 avec Assavoubou, lorsqu'il a demandé, il a tendu la main à Lumumba pour que nous puissions arracher notre indépendance. Nous l'avons fait à Santiti, nous sommes regardés en face. Nous l'avons fait en 2015 avec le conclave, nous l'avons fait au niveau du dialogue avec le CENCO. Mais aujourd'hui, à cette époque, il était question de s'entendre sur l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, le même problème prévaut. Vous vous souviendrez ici que le président Paul Kagame, qui instrumentalise le M23, okay, a dit clairement au niveau du Bénin qu'il est à la recherche des terres. Les terres. Cette question, il a dit dans un pays étranger. Qu'est-ce que nous faisons? J'ai suivi le professeur Tshibangu qui a voulu réagir à chaud avec le ministre Mouyaya, mais ce n'est pas tout. La question des terres n'intéresse pas que les acteurs, les dirigeants en place, ça intéresse tous les Congolais. J'ai vu le ministre aller à l'UNIKIN prêcher cette question au niveau des étudiants, mais écoutez, ça n'intéresse pas que eux. Il y a toute la catégorie des Congolais qui doivent savoir comment nous devons nous comporter. Ce n'est pas une question qui doit être traitée uniquement avec la majorité au pouvoir. C'est une question qui doit être traitée par l'ensemble des Congolais. Et nous devons nous mettre ensemble pour dire quel langage nous allons communiquer face à la communauté internationale. Parce que le président Kagame, ennemi de la paix en République démocratique du Congo, a estimé qu'il veut combattre pour des terres. Qu'est-ce que nous faisons? La marche prévue pour le 13 mai par rapport à l'opposition ou bien par rapport au bloc de Lubumbashi, j'ai dit que ça ne servirait à rien. Les vraies questions sont les vraies questions, nous devons nous les poser. C'est quoi? Comment réagir pour que nous puissions défendre l'intégrité territoriale? Comment est-ce que nous devons accompagner le chef de l'État? Quels sont les nouveaux
instruments que nous devons mettre à la place publique. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un groupe d'experts, d'avocats, pour saisir la communauté internationale pour poursuivre le président Kagame pour cette allocution? Parce qu'elle est tentatoire. Dans vos dires, vous avez évoqué le cas de... vous avez évoqué la communauté internationale. Mais cette communauté internationale, jusqu'à ce jour, apparemment, elle reste silencieuse dans tout ce que le Rwanda fait en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que un cri d'alerte à la communauté internationale pourra amener des résultats que le Congolais cherche? La communauté internationale, c'est une chose, que le Congo n'est pas uni. La communauté internationale, c'est une chose, que l'opposition ne marche pas avec la majorité. Alors nous devons montrer à la face du monde que nous pouvons faire bloc. Mais on vous accuse, vous les politiciens. Parler les mêmes langages. Vous êtes plus dans vos intérêts que dans l'intérêt des raisons pour laquelle le parti politique AVER avait déjà saisi en 2022 le président de la République pour lui demander de convoquer une table. Si on peut appeler ça la table ronde, si on peut appeler ça des pourparlers, mais que nous créons un forum sur la paix. Je dois rappeler ici que l'un des objectifs de Sun City jusqu'à aujourd'hui n'a pas été résolu, qui parlait de la réconciliation. Ok. Est-ce que les Congolais sont réconciliés avec les ancêtres? Est-ce que les Congolais qui sont aujourd'hui au pouvoir sont réconciliés avec la terre congolaise? Est-ce que, parce que nous avons versé le sang, pas nous directement, mais ceux qui avaient prétendu avoir la gestion du pays à l'époque. Donc, il faudrait que nous arrivions à nous réconcilier. Une fois que nous nous réconcilions, la communauté internationale trouvera que ces gens-là, ces individus-là, les Congolais qui ont un grand espace, qui ont des grandes richesses, deviennent entre guillemets un peu plus sérieux. Lorsque vous voyez le problème en Ukraine, le président ukrainien qui part, c'est toute la communauté qui est derrière. Lorsque vous voyez Poutine défier la communauté internationale, c'est toute la communauté russe qui est derrière Poutine. Mais aujourd'hui, est-ce que toute la communauté est derrière le président de la République? Je dirais non. Parce que parmi le président de la République, autour du président de la République, il y a ceux qui estiment que nous devons marcher en contradiction avec les principes pour lesquels le président de la République est en train de vouloir fonder. Et nous, en tant que parti politique, nous disons non. Lorsque Étienne Tshisekedi, en 2011, a demandé à Joseph Kabila, aujourd'hui sénateur à vie, que nous devions négocier, le président Tshisekedi était à l'UDPS, il était secrétaire national en charge des relations extérieures du parti. Nous avons attendu 3 ou 4 ans après pour que le président Tshisekedi à l'époque puisse venir négocier. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si Kabila, à l'époque, qui pensait avoir l'impérium, avec tous les conclaves qu'il y a eu, il a pu négocier. Nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi doit être au-dessus de la mêlée, puisqu'il est déjà au-dessus de la mêlée, mais il doit encore faire davantage pour rappeler les concitoyens, les compatriotes qui sont dans l'opposition, pour leur démontrer la nouvelle ligne de démarcation. Vous savez, lorsque le président Macron a voulu prendre une position pour impliquer la France, il a consulté les anciens chefs d'État. Est-ce que vous pensez que cette logique-là en République démocratique du Congo peut être possible? Aujourd'hui, tout le monde s'est dit qu'il y a un climat froid entre le président de la République et le sénateur à vie, Joseph Kabila. Est-ce que vous leur voyez se mettre autour d'une même table pour parler Congo? L'intérêt du Congo passe avant les intérêts personnels. Kabila avait l'avantage de pouvoir dire Tchadari, président de la République, avec une fenêtre telle qu'elle était décrite à l'époque. Kabila avait l'avantage de faire ce qu'il pouvait faire. Le président Tshisekedi est issu de l'opposition. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Le président Tshisekedi est issu de l'opposition. D'ailleurs, vous ne pouvez pas comprendre que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de porte-parole de l'opposition. Ça met un bloc à l'état de droit parce que le président de la République n'a pas d'interlocuteur. Est-ce que le président Bahati, est-ce que le président de l'Assemblée nationale savent qu'il n'y a pas un porte-parole de l'opposition alors que c'est garanti par des lois spécifiques du pays? Et donc là, vous n'aidez pas le président de la République à avoir un interlocuteur direct. Vous laissez le président de la République, évidemment, c'est des bonnes guerres parce que vous voulez diviser les opposants, mais sous la question de la balkanisation, il n'y a pas de distinguo. C'est le Congo qui perd. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Que dirons-nous aux générations futures? Et donc, aujourd'hui, nous devons mettre de l'eau dans nos vins. Nous devons comprendre que nous devons soutenir le président de la République. Ok? Que le président de la République tende sa main une fois de plus à cette opposition qui est peut-être divisée, mais pour parler de la balkanisation. Qu'est-ce que nous devons faire pour lutter contre la balkanisation? Je n'ai pas été au pouvoir
en 2001, je n'ai pas été au pouvoir en 2003, je n'ai pas été au pouvoir en 2006, je n'ai pas été au pouvoir en 2009, lorsqu'il y a eu brassage et mixage. J'hérite de quelque chose, mais il faut que je prenne des options. Mais je veux que ces options soient partagées parce que ce que je ferai, ça engagera la nation. Parce qu'après moi, on risque de me poser des questions. Oui, à l'époque, nous étions divisés. À l'époque, chaque regroupement avait des terres. Et nous sommes allés à Saint-City pour dire, écoutez, mettons fin. Mais il y a d'autres groupes qui ont continué. Et aujourd'hui, il faut que le président de la République puisse prendre son bâton de pèlerin, comme Moïse l'a fait, comme Joseph l'a fait, pour rassembler autour de lui. Qu'il ne rassemble pas simplement ceux qui vont venir lui dire que tu es beau, que tu es bien et que le pays va bien. Non. Parce que lorsque le pays va mal, lorsque la tête va mal, lorsque une partie du corps va très mal ou elle est blessée, c'est tout le corps qui est emboîté. Merci, M. Popol Diamani. Vous avez évoqué le cas du regroupement des opposants qui était à Lubumbashi récemment. En regardant ou en lisant les communiqués finaux de leur conclave, si je peux l'appeler comme ça, que de recommandations allant dans le sens des avantages des hommes politiques. Les Congolais vous reprochent, vous, quand je dis vous, c'est-à-dire les politiques, les Congolais vous reprochent plus de rester égocentrique. C'est-à-dire tous les intérêts doivent partir de vous avant que la population ne vive. Peut-être c'est bien fait là. Ma question est la suivante, parce que vous venez de dire que le président puisse tendre la main à toute la classe politique. Réunis déjà à Lubumbashi, ils ont pensé à ce qu'il y ait réforme ou refonte de la CENI, que Kadima parte, parce que ils étaient dans les conditionnels. Ils étaient en train de préparer la tricherie en faveur du régime en place. Vous qui demandez sur ce plateau qu'ils se mettent ensemble pour parler République démocratique du Congo, je vois Martin Fayoul qui se réclame déjà aujourd'hui, enfin qui se réclame jusqu'à ce jour le président élu, Moïse Katumbi qui s'est séparé de la manière dont il s'est séparé avec le président de la République, Matata Ponyo avec tout ce qu'il y a, comme, tout ce qu'eux jugent d'acharnement à la, de la justice. Déli Sessanga qui a été traité de tous les maux quand il s'est désolidarisé du président de la République. Vous pensez qu'ils peuvent se mettre autour d'une table et parler de la République démocratique du Congo? Écoutez, si en 60, Kassavubu n'avait pas mis de l'eau dans le vin, on ne serait pas battu pour avoir notre indépendance. Si en 2003, Joseph Kabila, qui avait une partie du pays, n'avait pas mis de l'eau dans son vin, Jean-Pierre Bemba ne serait pas vice-président de la République. Si en 2016, Étienne Tshisekedi n'avait pas accepté d'écouter la voix des prélats catholiques, la CENCO à l'époque, nous n'aurions pas eu cette alternance politique. Nous devons savoir une chose, que ce qui anime l'homme politique, c'est le pouvoir. Mais ce pouvoir, nous devons l'acquérir comment? Et nous devons gérer qui? Lorsque les grandes questions se posent, on ne regarde plus son intérêt. On regarde la génération future. Déjà, là je parle pour nous, AVER. Parce que lorsque nous, AVER, nous sommes en train d'alerter qu'il y aura un problème de la Cour constitutionnelle, nous ne sommes pas au pouvoir. Lorsque nous, AVER, nous avons alerté en 2020 les ambassadeurs, nous avons alerté en 2020 la CENCO, nous avons alerté en 2020 les idées, Nouvel Élan et que j'en sors, et encore, nous avons dit que en 2023, nous risquerons de ne pas avoir des élections si nous ne prenons pas en compte le problème qui s'est posé en 2016, parce qu'il n'y avait pas de cadre juridique pour permettre au président de la République de rester en fonction au-delà du délai. Et nous avons fait des propositions claires quant à ce, et nous avons déposé notre avant-projet de proposition de loi sur la table des législateurs congolais. Nous disons ceci. Il nous appartient tous de pouvoir avoir des prétentions de devenir demain des candidats présidents de la République. Mais c'est au peuple qu'il revient de faire un choix. Et au jour d'aujourd'hui, les choix que le peuple veut voir, c'est qu'il y ait accalmie. Nous ne pouvons pas dire
que nous organisons les élections alors que Bounagana est passé des forces terroristes aux forces étrangères. Nous ne pouvons pas organiser les élections dans ces conditions-là. Et parce que nous ne pouvons pas organiser l'élection dans ces conditions-là... Mais les forces étrangères sont venues pour juste respecter la feuille de route de Luanda. Écoutez, peu importe comment vous appelez cela, moi j'appelle ça c'est du sexisme. Lorsque la communauté internationale a voulu diviser l'URSS ou le Soudan, ce sont les mêmes pratiques. Ce sont les mêmes pratiques. On crée une guerre, on crée des provocations, on trouve un sujet et après, on trouvera la population qui va dire « Vous nous avez oubliés, on va se désolidariser. » Est-ce que Martin Fayoulou, Mata Tamponio, Denis Sessanga, Docteur Mukwege, Moïse Katoubi, président soit-il, voudraient gérer d'un Congo à moitié qu'en 1960 ou en 1885? Je ne pense pas. Sur cette question... On doit apprendre à mettre de l'eau dans le vin. J'ai suivi le président Martin Fayoulou qui dit « Nous devons mourir, nous devons nous tuer pour qu'un nouveau puisse renaître. » Mais c'est le nouveau dont nous sommes en train de rechercher. Celui-là qui va renaître pour comprendre que le problème du Congo doit être traité par le Congolais, mais dans le calme avec un consensus politique. Si le président Tshisekedi avait refusé d'aller aux élections, il ne serait pas président de la République aujourd'hui. Disons-nous la vérité. Si il était resté dans la fourchette, donc dans son idée que les machines étaient déjà calibrées pour que Chadari puisse passer, il ne serait pas président de la République. Il a mis l'eau dans son vin, il a dit « Pour mon peuple, j'y vais ». Donc sur cette question, je crois que les Congolais doivent être d'accord. J'estime aussi en tant que président d'un parti politique, et je demande au président de la République, que la question de l'Est ne puisse plus être traitée qu'avec les ressortissants de l'Est. Nous avons... le Congo central, qui a fait émerger des grands penseurs congolais, qui a fait émerger des grands prédicateurs sur le plan spirituel, j'ai cité ici Simon Kimbangu. Nous pensons, nous en tant qu'AVER, que nous puissions organiser à Kamba, s'il faut prendre ce site-là comme ça, une réunion politique avec les chefs coutumiers de toutes les provinces, avec les gouverneurs de toutes les provinces, avec les acteurs politiques, la société civile, pour que nous puissions... ressortir une résolution qui aiderait la République à lutter contre la balkanisation. Je voudrais rappeler aussi à nos amis qui nous suivent à la télévision que la stratégie de la guerre à l'Est peut frapper n'importe où. Nous avons 9 pays frontaliers. Nous devons nous préparer un jour à avoir ces 9 pays nous attaquer. J'ai suivi. Je suis la loi sur les réservistes. Je vois la loi de programmation. Oui. Mais ce n'est pas tout. Nous avons notre contribution à donner. Et pour que cette contribution puisse être entendue, être écrite, nous pensons qu'il faut créer le cadre. Que le président de la République, qui aime si bien entendre les Congolais parler, les recevoir, puisse nous recevoir. Nous allons parler, nous allons discuter, nous allons déposer les choses à dire pour le pays. Et donc, j'estime que si les gens... du bloc de Lubumbashi tient à gérer demain un Congo uni, un Congo prospère, un Congo qui garde ses frontières depuis 1885 ou 60, quand nous sommes devenus un État, okay, ils devront mettre d'eau dans le vin et comprendre que Félix Tshisekedi est le président des Congolais et qu'il a une vision, mais cette vision, il doit la partager avec les Congolais. Et nous, en tant que collaborateurs, nous pouvons dire... Excellence, Monsieur le Président, nous pensons que telle position peut être vue de cette manière ou pas. C'est le dialogue qui renchérit. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Popol Djamani. Vous avez toujours lutté pour que la Constitution soit révisée. Évidemment. Vous pouvez nous dire quels sont les articles sous lesquels l'AVER table et pourquoi? Bon, il y en a plusieurs. Écoutez, je vais prendre simplement un comme ça. Dans les grandes démocraties... Oui. Les députés, les sénateurs ou le représentant du peuple déclarent son patrimoine avant d'entrer en fonction, avant de prendre ses fonctions parlementaires. Okay. Ici, ça n'existe pas. Ça crée une impunité institutionnelle, déjà de manière claire. La question du sénateur à vie, qui est sénateur à vie? Le sénateur à vie est celui qui fait un seul mandat ou le sénateur à vie, c'est lui qui arrive à la fin de son mandat, oui. Parce que le président Tshisekedi peut au jour d'aujourd'hui dire que je ne serai plus candidat
aux prochaines élections. Il devient sénateur à vie. Mais l'article 70, vers la fin, je crois, du premier alinéa, veut qu'il ait un mandat supplémentaire de 5 ans. Donc, renouvelable. Oui. Une fois. OK. Ici, la question, est-ce que Joseph Kabila, demain, peut devenir candidat président de la République? Nous disons oui. Mais certaines, une certaine opinion pense que c'est non. Nous disons, parce qu'il a déjà fait, il a fait ses deux mandats. Excusez-moi, il faut lire la Constitution. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Oui. Joseph Kabila n'est pas président de la République. Et il n'a pas de mandat. Excusez-moi, que soit clair sur ça. Le mandat qu'on confie à un président de la République doit être le même pour faire un mandat successif. Or, Kabila, sénateur à vie aujourd'hui, a un mandat autre en 2006 qu'en 2011. En 2006, il obtient un mandat au deuxième tour. Et en 2011, il prend par le plus fort reste. Ça change déjà le contenu de son mandat. Quand bien même c'est la même fonction qu'il occupe. Donc, il faut ici que le Congolais... Nous oui, devons être objectifs. Soyez plus explicite pour que ça permette aux gens de j'ai bien dit comprendre. Ceci. Parce que j'ai dit ceux ceci. Qui nous suivent à la maison se j'ai disent, dit ceci. Ce monsieur, j'ai qu'est-ce dit qui ceci. Se passe dans sa tête? Nous avons dit qu'il faut réviser la Constitution pour dire dans la nouvelle Constitution que le président de la République, qui a fait deux mandats, ne puisse plus briguer un troisième. Nous le disons clairement. Alors que notre Constitution laisse une voie. La Constitution actuelle dit le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Point. Il y a un deuxième alinéa. Or, déjà, cet alinéa pose un problème. Parce que Kabila n'est pas président de la République. Celui qui peut avoir un autre mandat, c'est celui qui est président de la République. Kabila est président et sénateur à vie, ou est un ancien président. En fait, Kabila est devenu un homme ordinaire. Si on prend mais il avait déjà occupé cette fonction. Raison pour laquelle on dit le président de la République, élu à la fin de son mandat, devient sénateur à vie. Mais le sénateur à vie, c'est un droit honorifique. Le président Tshisekedi peut faire un seul mandat, il devient sénateur à vie. Alors il va nous dire qu'il a un deuxième mandat à accomplir. Vous comprenez? Nous, à Vert, nous avons dit qu'il est important de dire que le président de la République, ayant fait deux mandats, ou bien, ayant accompli ces deux mandats, ne puisse plus créer le cadre juridique pour dire que si les élections ne sont pas organisées dans les délais, comme l'article 7 de la Constitution française, l'article 7 de la Constitution française veut que le ministère de l'Intérieur saisisse la Cour constitutionnelle, ok, pour pouvoir accorder au président de la République une prorogation, puisque les élections ne sont pas organisées. Imaginons le cas que la CENI est brûlée. Imaginons le cas au jour d'aujourd'hui que la CENI se brûle. OK? Fort incendie. On doit repousser les élections. Parce qu'il y a eu un cas qui n'entre pas dans la gestion du président de la République. Le président reste en fonction. Il va rester en fonction. Mais la question maintenant, c'est de savoir jusqu'à quand. Et nous avons, nous en tant qu'AVER, Alliance des valeurs républicaines, nous avons résolu cette question en disant nous intégrons une nouvelle disposition qui veut que le président de la République peut rester si la CENI saisit la Cour constitutionnelle. Et à ce moment-là, il peut varier de 6 à 24 mois. C'est la Cour d'en décider la période pour laquelle. Et okay. Vous remarquerez, avec l'article 76, pour les sénateurs, le président du Sénat qui joue l'intérim du président de la République, on lui accorde une prorogation. Parce qu'il est dit dans l'article 76, si vous descendez les derniers alinéas, vous verrez que le président du Sénat peut bénéficier d'une prorogation si la CENI saisit la Cour constitutionnelle sur cette question-là. Et donc, pour nous, nous disons, déjà rien que ces principes-là, ok, oui. Les Congolais doivent savoir que si Kabila Kabange, sénateur à vie au jour d'aujourd'hui, oui. Ne veut pas postuler, c'est peut-être pour une question d'honneur. Ok. Mais sur le plan du droit... Mais il en a le droit. Sur le plan du droit, il en a le droit. Même le président Tshisekedi, après ces deux mandats, une fois qu'il s'est mis à côté pendant 5 ans, il peut revenir au pouvoir. Que personne nous trompe. Nous n'usons pas la Constitution de manière gauche ou droite. Que personne nous trompe. Et faut-il encore que si le président Tshisekedi ramène les élections à deux tours, qu'est-ce qui va se passer? Il va subir le même sort que le président Tshisekedi. C'est-à-dire que son mandat va être modifié. Parce qu'il n'a pas le mandat qu'il a eu en 2018 ou 19 ne sera pas le même avec 2025 ou 2023. Bon, 23 parce que nous pensons qu'il n'y a pas d'élection, donc 2025 ou 2024. En 2025. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons
tout doucement vers la fin de notre émission. Donc, je voudrais vérifier qu'il y a plusieurs dispositions que nous avons voulu modifier, mais je prends simplement l'essentiel pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre. Mais nous avons déposé notre avant-projet. Ceux qui veulent avoir plus de précision, contactez-moi, je vais vous donner le numéro du président du parti politique AVER. Il va vous donner des larges explications et des différents articles que l'AVER demande de modifier dans la Constitution. Monsieur Popol Diamani, nous tendons vers la fin, mais je pense que nous pouvons aussi parler de cette loi. Cette loi qui divise, parce que ça touche aussi seulement les élections. La loi dite Tchani, mais la loi si ou la nationalité, si la congolité, comme on peut le dire. Une certaine opinion pense que c'est une méthode du régime actuel de mettre hors course certains candidats, mais la personne la plus ciblée, c'est Moïse Katumbi. Quelle est votre analyse par rapport à ça? C'est que lorsqu'on devient intellectuel, le soubassement d'un intellectuel, c'est de régler des problèmes de la communauté. Ça, il faut le comprendre comme ça. En 2003, à Fantiti, ceux qui avaient estimé parler au nom du Congo ont pu régler la question de la nationalité. En 2003, à Sun City. Et ils ont érigé cela, ils ont élaboré cela dans la Constitution que nous avons votée au référendum en 2005, qui a été promulguée en 2006. Si le président Tchani, qui est un professeur, qui pense qu'il faut verrouiller les fonctions d'État, okay, il doit forcer la main à la révision constitutionnelle. Et donc, cela veut dire que il rejoint le combat. Il doit vous rejoindre. Il rejoint le combat de l'AVER. Okay. Aujourd'hui, sa loi, pour nous, excusez-moi de le prendre comme ça, je peux le dire que c'est de la feuille de chou. Feuille de chou, pourquoi? Parce que le président Mbosso l'a dit lui-même, qui a reçu le professeur avec l'honorable Ntsingi. Il a dit que cette loi avait déjà été rejetée. Mais, puisque nous sommes en démocratie, il veut voir. Alors, il y a une contradiction entre la commission... Il a même parlé il a dit que ça énervait la Constitution. Voilà, donc vous comprenez vous-même, il dit que mais c'est une loi qui énerve la Constitution. Mais si il sait que ça énerve la Constitution, mais il amène dans le débat pourquoi? C'est qu'il veut faire plaisir à quelqu'un. Donc, je n'entrerai pas dans ces débats. Mais j'estime que si la loi dite Tchani doit passer, nous devons réviser la Constitution. Mais maintenant, il faut que les Congolais puissent comprendre une chose. Depuis 2006, à nos jours, oui, il n'existe pas de loi référendaire. Nous avons trois cycles. Et notre Parlement n'a jamais pondu une loi référendaire. Ça pose un problème dans l'équilibre, dans la participation du peuple à pouvoir dire les choses telles qu'elle entend. Je vous ai dit ici que si nous devons aider le président Tshisekedi, il faut que le professeur Bahati, qui est président du Sénat, avec le président de l'Assemblée nationale, puisse mettre en place la loi sur le porte-parole de l'opposition. Ça aiderait le chef de l'État à avoir un interlocuteur. Puisque quand eux, ils créent l'Union sacrée, ils mettent en place la charte, ils mettent en place le bureau, c'est pour que ces bureaux puissent être l'interlocuteur avec le chef de l'État. Oui. Mais comment l'opposition n'a pas d'interlocuteur avec le chef de l'État? Comment? Je soutiens le chef de l'État, je soutiens les institutions politiques. L'État des droits demande un esprit aguerri. L'État des droits demande à être conforme. Nous devons nous oublier parce que la République a besoin de nous. Et puisque la République a besoin de nous, nous devons donner à la République les moyens pour que demain, qu'on dise... Le président Tshisekedi a donné la gratuité de l'enseignement. Le président Tshisekedi est l'architecte de l'état de droit. Le président Tshisekedi, qui était lui-même opposant hier, a placé le porte-parole de l'opposition. Ça, c'est ce que nous attendons comme bilan. C'est ça que nous attendons comme bilan. Maintenant, c'est à eux, au niveau, de se battre pour pouvoir deviner, ou bien ça sera par six mois, ou bien quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est clair
que s'ils arrivaient à se mettre d'accord, on connaîtrait le porte-parole de l'opposition. Monsieur Popol Djamani, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. 45 minutes, ça coule comme de l'eau. Mais on n'en peut rien, on ne peut pas s'éterniser sur le plateau. Votre dernier mot aux Congolais qui vous suivent et un message à tous ces dirigeants de la République démocratique du Congo. Ben, aux Congolais qui me suivent, je voudrais leur dire que nous devons être patients. L'enfant naît, après, il apprend à marcher et le Congo va décoller. Simplement, nous devons avoir une vision commune sur la gestion de la République. Et pour cela, notre parti politique estime qu'il est important que nous acceptions le dialogue pour parler contre la balkanisation. Aux institutions et particulièrement au président de la République, si en 2006, Joseph Kabila, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi de le dire, parce que même si nous sommes à la fin, nous constatons que l'Union sacrée suit un peu tout ce que le FCC avait fait dans son temps. Donc on peut dire que c'est du méli-mélo. Alors je disais tout à l'heure qu'au président de la République, si en 2006, Joseph Kabila s'est déplacé pour aller voir Jean-Pierre Bemba après les élections controversées, il nous appartient, il appartient lui en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, de pouvoir rappeler à l'ordre tous ses frères pour dire c'est le Congo qui est en danger. Et nous devons nous regarder pour pouvoir planifier les choses. Organiser les élections 5 ans après, ça se donnera à quoi? Mais il faut que les vraies questions puissent être posées afin de trouver les vraies réponses pour pouvoir planifier la gestion et rendre notre pays vivable. Voilà. Merci beaucoup. C'est par ces mots du président du parti politique AVER, M. Popol Djamani, que nous bouclons cette émission. Vous qui nous avez suivis, vous avez de reproches ou de remarques à faire, écrivez-nous sur le numéro qu'il y a au bas de vos écrans. Ceux qui nous connaissent personnellement peuvent nous écrire. Et vous qui pensez aussi faire partie de nos invités, ne manquez pas de nous contacter. Le plateau est à tout le monde. On ne choisit pas une catégorie de personnes. Merci à toute l'équipe technique qui nous a rendu ces services pour que vous puissiez nous suivre chez vous. Nous voyons Enoch qui est à la prise de vue. Aujourd'hui, il est seul. Nous voyons à la régie finale Coco Mouya. Et merci beaucoup au président Billy Maloua. C'est lui qui a permis à ce que nous ayons cet espace pour vous servir. Vous qui nous suivez via YouTube, continuez à vous abonner sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, Fondation Maloua Télévision. On se retrouve pour un prochain numéro. Je pense que ça sera déjà demain. Bye bye.